Juste avant, on a remercié le Premier ministre, Dr. Ariel Henry, avec le ministre de la Justice, là, qui a placé confiance en nous pour mettre nous, comme commissaire gouvernement, dans le paquet de Port-au-Prince. Et avant tout, dans quatre missions gouvernement gagné pour mener le pays, ensemble avec tout acteur concerné. Et je dis en paquet de Port-au-Prince, trouver que c'est nécessaire pour prononcer sur certains problèmes que la société a traversé. Et qui permettre que nous lancer le travail que nous avons pour nous faire de concert avec acteurs dans l'appareil judiciaire, avec l'autre acteur qui a permettre que le pays a les connaît de jour qui meilleur. Et dans ce sens, l'intervention par nous matin, il va chuter sur trois axes. Premièrement, c'est sur la question de sécurité. Deuxièmement, c'est sur la question de détention préventive prolongée. Et en dernier lieu, c'est question présence parquet dans tout siège qui a fait dans le tribunal. Question de sécurité, nous connaissons un problème tout le monde lié. Quel que soit le monde lié à la victime et pas de crasse possibilité au monde de sortir dans la rue ou pas de victime d'insécurité. Parce qu'à travers toute juridiction, nous avons une question de sécurité a commencé à prendre un essor considérable. Et dans ce sens, parquet, lui-même, lui offre tête lui. Et lui annonce avec la police que la porte balle tout support possible pour permettre la police, dans le cadre de travail que l'a fait, pour traquer bandits, pour intervenir les nécessaires, de façon à ce que nous essayions de réduire la question de sécurité et qui c'est un grand cancer pour la société aujourd'hui. Et nous comprendre que aujourd'hui, à chaque fois que le déplacement qu'a fait, on a posé cette question, est-ce que vous pas parler victime par rapport avec des actes bandits à poser, par rapport avec des armes qui ont circulé dans la société. Et je dis en paquet, il a annoncé avec la police, quelle que soit la situation, il a avec et il a pris tout support possible de façon à ce que pour traquer les bandits et si possibilité, si nécessaire, mener par devant la justice pour prononcer sous décision et sous peine que vous méritez. Et nous avons prononcé aussi sous question gaz qui vend dans la rue. Yo. Et nous pensons que ce problème, ça, de nos jours, il y a un problème pour la société. Ya. Et si nous prenons exemple, Tigouab, côté que gain possibilité, nous, côté que mon a brûlé, Kaya brûlé, nous avons annoncé jeudi avec tout le monde qui vend gaz dans la rue. Yo. D'ici lundi prochain, quel que soit le monde, nous jouons, qui vend gaz dans la rue, nous baille la police l'ordre, moun sa yo, prend gaz yo, s'il faut mener devant tribunal, mener devant tribunal. Parce que automatiquement, nous annonçons ça, à partir de mardi si Dieu veut, nous avons sorti dans la rue avec la police et permanence parquet, nous avons marché, chercher tout le monde qui a vendu gaz dans la rue yo, pour nous demander à ce que le problème ça, lui suspend dans la société. Ya. Et nous avons annoncé aussi avec question médicale, avec essence, pompe qui a vendu gaz yo. Et nous avons souhaité que les gens qui sont propriétaires de gaz ne puissent pas vendre le gaz dans la rue, dans le galon encore. Et nous pensons que les gens qui ont toujours une possibilité pour les gens acheter un galon de gaz pour mettre une génératrice, ça ne peut pas écarter la possibilité de ça. Mais quand il s'agit de gens qui viennent avec 10 gallons, 15 gallons, 20 gallons, non, on pompe, les campes, les prennent tout le galon ça, et puis ils vendent le gaz là, à travers toute la rue, ils vendent le gaz. Ça nous demande à ce que tout le monde suspende avec pratique ça. Parce que le parquet n'est pas prêt à garder comme ça. Et en plus, nous avons l'autre question encore. C'est la question de tout le monde que nous jouons qui n'a club dans la nuit. Ça a quelques jours que nous visitons quelques clubs. Nous avons deux parents prennent le plaisir, prendre le club avec tout le monde, aller en piscine avec tout le monde. Côté que nous avons fumé, nous avons bois éclairé. Nous demandons à ce que les parents, si les gens qui ont la caille, nous, quand les gens qui doivent sortir, c'est pour nous que les gens la caille, nous, de façon à ce que, pour construire la moralité de les gens, quand les parents ont bien la piscine, si les gens ont circulé, beaucoup de piscine, les gens ont fumé, les gens ont éclairé, ça, nous ne voulons pas que pratique ça dans la société. Les parents qui ont les gens, ouvrent sortir avec elles, matin ont sorti avec elles, on leur qui pas dit, on leur dit ou entrer avec elle. Et ça, nous voulons mettre en face sur ça.
pour permettre à ce que la société allait reprendre forme, pour l'ordre social allait retourner encore, de manière à ce que la société noire ait le visage que le droit bail là, genre que le droit y est avant. Et nous avons un problème qui est sur la détention préventive prolongée. Et nous tous connaissons que le problème ça, c'est un cancer, c'est un gros problème dans la question de justice là. Détention préventive prolongée, nous-mêmes dans le parquet, l'un des substituts, nous avons une responsabilité, nous avons coordonné une cellule dans la question de détention préventive prolongée. Et à partir du moment que nous venons par parquet, nous pensons que le problème ça, faut que nous portions une solution. Même si la solution n'est pas venue de façon grandiose, mais nous devons porter une solution de façon à ce que nous réduisons la quantité de monde qui est en prison qui peut vous juger et de monde qui est en prison. Qui gagne dossier dans la cabine de destruction qui n'a pas avancé. Et je dis à travers cellules que nous mettons ensemble avec substituts, nous prenons le travail sur le dossier ça et pour nous porter un résultat qui plus ou moins satisfaisant de manière à ce que la société a ligué en souffle. Parce que ça fait longtemps qu'il y a pile de monde qui est en prison, qui n'a pas jugé. En pile de monde en prison, je ne pas attendre. En pile de monde en prison, cabinet de destruction n'a pas attendre. Parce qu'il y a même livré porter une solution dans ce sens. Et c'est peut-être ça. Parce qu'il a créé, dans le parquet, il a gagné une cellule qui a l'écoute des détenus, qui a un numéro de téléphone qui est 31 12 55 10, qui a une cellule qui a attendu doléances par un monde qui a monde en prison, qui a un dossier soit cabinet d'instruction, qui a un dossier soit qui a correctionnel, et pour nous avancer. Et dans le même cadre de travail, ça, nous allons faire recruter 10 jeunes dans la faculté de droit, qui prennent dans le centre d'appel ça, et qui prennent l'information, qui prennent doléances. À partir de doléances que vous prenez, ils transmettent avec cellules qui à l'écoute des détenus, et pour permettre par qui à lui-même de faire de suivi possible pour les gens qui sont en prison, qui sont capables, qui cachent une liberté, soit peut-être yo jugé bon sous peine. Et de façon à ce que pour problème justice ça lui-même lui résoudre. Et nous avons souhaité aussi dans cadre travail ça, il y a un ensemble de dossiers qui sont des dossiers criminels que nous pourrons intervenir là-dedans. Tel que dossier Neti, dossier Diego Chal, dossier Batounet d'Orval, nous pourrons aller morder et chercher qu'on est dans qui et cadre dossier ça dans qui face de ces arrières de façon à ce que pour avancer et pour la société à lui-même, lui voit que il y a une justice qui a prononcé, une justice qui a marché et une justice qui voulait pas les résultats. Et c'est dans ce sens-là, matin, nous avons rencontré avec la presse, nous avons un autre problème encore. Qui est ce problème et présence parquet dans le siège. Nous pensons que désormais, parquet prend dans tout siège que nous connaissons qui est dans le tribunal. Là. Surtout siège qui a un rapport avec la question habeas corpus. Parce qu'Ali, à travers le sac qui formé, qui pour porter solution pour aller dans la question habeas corpus, nous pensons que y a un commissaire qui est disponible pour ça, quelle que soit l'action en habeas corpus, parce qu'à présent, chaque moment, ça m'a délit. Et c'est ça qui permet à ce que y ait un dossier qui doit déclasser, il y a un dossier qui doit avancer, comme ça, tout y a un dossier qui doit classer. Dans le tribunal là avec parquet. Et encore une fois, n'a dit merci avec la presse qui fait déplacement qui vient présenter matin en parquet dans quatre conférences de presse que le parquet a décidé par matin à travers ensemble de problèmes que justice là société a traversé et puis pour nous comment de concert avec la police, de concert avec le tribunal là pour nous créer une harmonisation. Pour nous créer une synergie, pour nous voir une réponse satisfaisante avec les gens qui a demandé à ce que la justice là, li reprenne forme, lui permet à ce que les gens qui sont en prison soient jugés, les gens qui doivent dossier de avancer pour avancer. Et c'est comme ça que nous pensons que la société prend râler en souffle. Et sous ça que le prend râler à permettre que, ou même je dis à qui sont citoyens, soit qui ont un cousin, qui ont un frère qui est en prison, ou au moins capable. Qu'on est que il y a un système qui a avancé, un système qui a marché. Et la première, c'est aujourd'hui,
Et merci pour présence nous. Merci avec et amis nous et Vladimir et qui t'a coordonné et intervention ça pour nous. Merci beaucoup. Non, c'est pas bon. Notre discussion pour monde qui gagne question pour notre enseignement. Notre pensée question pour monde surtout qui gagne et question pour commissaire. Donc il y a une question. Donc il y a une question. Est-ce que et commission qui pas chita sur question de détention préventive prolongée a gagné 11 personnes et 11 commissaires ça yo nous gagné deux missions qui spécifiques à travers question de détention préventive yo gagné pour faire de suivi dans dossier qui parquet a qui en souffrance. Deuxièmement, il y a aussi une mission pour visiter le commissariat chaque semaine. Et chaque fois, il est déplacé, aller contrôler les gardes à vue. Ou un monde qui doit être transféré soit devant le tribunal de paix, monde qui doit être transféré au parquet pour permettre à ce que la prison n'est pas remplie avec le monde. Et c'est dans ce sens-là, à travers même comme cellule, ça, nous créons une cellule qui est à l'écoute des détenus. Et que y a un centre d'appel et centre d'appel ça qui permet que moun qui gen moun qui dans prison ou relé et puis ou bay doléance ou bay information nécessaire et puis de suivi à fait pour permettre à ce que nous travaille sur question de détention préventive pour l'OGA. C'est moun qui est en prison en cas de ça. Parents yo. Vous excusez pour détail de besoin, vous nous dire tes bonnes rencontres avec vous substitution nous apprendre que bien deux actes administratif que vous jugez qui est inapproprié au regard de l'administration pour annuler. Effectivement, dans le cadre de l'administration que nous avons dirigé, il y a des actes prédécesseurs prend que nous trouvons qui ne pas répondre avec question la loi. Parce que nous, c'est légaliste. Une fois qu'un commissaire et un magistrat ont prêté serment pour agir et avec toute loyauté, toute honnêteté, Nous pas raison, on substitue qui n'a pas qu'à l'indécené au mandat, faut que nous contre-signions. Nous trouvons que AXA n'est pas normal, et puis nous décidons, nous lever, et administrativement nous lever, et aspect ça. Et nous pensons que les magistrats, automatiquement, ils saisissent le dossier, ils ont toute honnêteté, ils ont toute loyauté pour agir suivant conscience avec la loi. Et c'est peut-être ça nous agit comme ça. Et il y a l'autre décision que nous prenons et que nous prenons encore. Nous passons au moment opportun, automatiquement, il y a une possibilité. La presse a toujours prendre l'autre décision qu'elle prend. Mais cependant, nous chita sur ça et pour nous permettre que parquet lui-même nous joigne collaboration, tout substitut et permettre à ce que nous avancions à grand pas dans le cadre et combat à mener pour question justice. Là. Et commissaire, et nous prenons que l'ancien commissaire gouvernement, Bedford Kodim, nous mettons invité le premier ministre Ariel Henry. Et qui dégaine implication, qui te va parler avec Badjo, joue assassinat président Jovenel Moïse là, et jusqu'à présent, le commissaire lui a évoqué, ou même vous avez idée pour inviter l'IPM dans tout? Bon, jusqu'à présent, nous toujours été dans le cas d'application de la loi. Parce que la loi dit que le premier ministre, c'est un fonctionnaire, et un haut cadre dans l'État, pour aucune raison, pas qu'il n'y a pas qu'à inviter dans le cadre d'un dossier, que des suspicions t'as gagné contre lui-même. Puisque parquet a lui-même, automatiquement au dossier dans le cabinet d'instruction, parquet a n'a pas de possibilité que vous invitez le PM à venir là. C'est que le juge d'instruction peut toujours décider d'inviter le PM. Quant à nous autres, nous n'avons pas et ce choix d'inviter le PM à se présenter au parquet. C'est un gros événement passé avant hier soir dans Ravine Pétade. Côté en pile d'information et nous parler avec parents, nous avons fait quoi? Il y a 14 jeunes qui t'ont tourné en vidéo, mais qui était gagné et puis les âmes de joueurs pour monter les vidéos ça. Et puis la police était venue et puis on s'est fait faire sur le monsieur ça. Il y a 14 personnes qui mourent jusqu'à présent dans le palais là. Qui coûte mon pense au cabal dans le dossier ça? Jusqu'à présent, la police doit intervenir. Et intervention de la police, il doit être fait dans le cadre de la loi.
et nous pas jamais demander à ce que la police les agit de façon arbitraire pour la agir sans que les pas mettez devant la loi. Si il y a deux problèmes DCPJ, nous gagne SDPJ qui là cap renforcer question sécurité a, les cap toujours faire des interventions. Mais seulement les gagne pour devoir dresser des rapports, faire des instructions, faire des enquêtes et déférer le dossier automatiquement au parquet pour les suites de droits et nécessaires.